Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 16e épisode sur la ville d'Epsilon. Alors aujourd'hui je réponds à une remarque d'un de mes abonnés qui me disait que la gare n'était pas forcément très jolie et pas forcément non plus très fonctionnelle, etc. Ce que je suis tout à fait d'accord avec cette remarque. Et c'est pourquoi, durant cet épisode, et certainement le suivant, donc dans l'épisode 17, je vous propose de revoir cette gare et d'en faire une véritable gare digne de cette ville. Alors, j'ai déjà quelques idées pour vous, pour la construction de cette gare, et je pense que nous allons faire, que je vais faire cela en timelapse, de sorte à ne pas trop allonger les vidéos, puisque je pense que ça durera quand même sur deux vidéos. La première chose à faire, ça va être en fait de détruire tout cet îlot-là, et peut-être même jusqu'ici, l'histoire d'avoir une véritable zone ferroviaire. Ensuite, on va peut-être lisser un petit peu le terrain, faire des dégradés avec des quais, des choses comme ça. Bref, j'ai quelques idées et j'espère pouvoir vous les soumettre dans cette vidéo. Donc, ce que je vous propose, c'est de tout de suite commencer par un timelapse. Juste avant, je tiens à faire une petite parenthèse, peut-être que du coup cette deuxième gare qui existe ici sera détruite et remplacée par autre chose. Ce bâtiment-là est nettement plus joli que celui qu'il y a de l'autre côté, et de fait, on va peut-être du coup utiliser le bâtiment de la gare, donc en fait de Neugovia, à la place de celui-ci, qui mine de rien n'est pas forcément super. Voilà. Allez, c'est parti pour un petit timelapse et on se retrouve juste après, certainement dans le prochain épisode.
Bien, c'est déjà la fin de cette première partie, donc sur la reconstruction de la gare, la rénovation, le réaménagement, si on veut, de cette gare. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai rajouté hors caméra ce que j'ai essayé de faire durant le let's play, enfin le timelapse, pardon, ici, donc une sorte de petite corniche. J'essaierai de maquiller les angles ici avec des arbres, etc., etc. Et donc pour aujourd'hui, voilà, on va s'arrêter ici. Je ferai l'aménagement paysager, on va dire, un petit peu plus tard, donc dans le prochain épisode, hein, qui devrait arriver très rapidement. Quelques commentaires quand même. Donc la gare n'est pas plus grande, hein, il y a toujours deux quais, mais vous avez maintenant un véritable parvis juste devant, avec notamment une voie de bus sur laquelle je ferai passer notamment plusieurs lignes de bus qui devraient passer, qui passent, je crois, à proximité. Alors, on peut tout de suite regarder ici. Voilà, vous avez ici une ligne qui passe, et je pense que la plupart des lignes de bus, ça en sera d'ailleurs un terminal, passeront à proximité donc de la gare sur cette nouvelle voie. Du coup, je vais être obligé certainement de rajouter un terminal de, comme on peut avoir ici une, ah, j'ai perdu le mot, tac tac. Ceci, donc non, c'est pas ça. Là, peut-être non plus. Alors, je retrouve pas le bâtiment, peut-être celui-là. Oui, un dépôt, voilà, je cherche le mot. Un dépôt. Donc, je vais certainement rajouter un juste à côté de la gare afin que bon, les bus n'aient pas trop de trajet à faire pour aller jusqu'au dépôt. Donc, là, dans le prochain épisode qui arrivera d'ici un ou deux jours, on s'attellera à l'aménagement paysager donc de toute cette zone. Et puis bah ici on fera un petit peu de zonage, etc., etc., de sorte à bah, revenir à quelque chose d'un peu similaire à ce qu'on avait avant, mais mieux aménagé. Merci d'avoir regardé cet épisode et à très bientôt donc pour la suite de la construction de cette gare.